La porte fermée. Hé, Milo, Milo, tu vois la poubelle là-bas? Regarde bien, je suis le meilleur joueur de basket de l'école. Raté. Eh bien, Milo, c'est toi qui as envoyé ça? Non, maîtresse. C'est Thomas. Espèce de rapporteur. Mais c'est vrai. Un peu de calme, les garçons. Thomas, tu vas aller jeter le papier dans la poubelle cette fois. Quant à toi, Milo, tu n'es pas obligé de dénoncer un camarade pour une bêtise sans importance. C'est d'accord? Oui, maîtresse. J'ai compris. Très bien. C'est fini et on n'en parle plus. La récré! Oui. Je suis content que ce soit la récré. Je suis un bon joueur de basket d'habitude. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des sucettes. Oui, mais elles sont spéciales. Regardez, à l'intérieur, il y a une petite lumière qui clignote. Ah oui, c'est vrai. On peut essayer? Impossible. Il faut être dans le noir complet pour les voir briller. Oh, c'est dommage. Mais... on peut aller dans le KGB. La maîtresse nous l'a interdit. Il y a un problème avec la porte. Tu crois peut-être qu'on a peur d'une porte? Allez, Thomas, viens. C'est bon, Vincent. Tu peux y aller. Thomas, Vincent, la maîtresse va vous gronder. Sortez, vite! Milo, où sont passés Thomas et Vincent? Ils ne sont plus dans la cour. Ça m'inquiète. Mais vas-y, ouvre! Je ne peux pas! La porte est bloquée! Vincent! Thomas! Où êtes-vous? Vincent! Thomas! Dis donc, Milo, tu fais une drôle de tête. Maîtresse, je sais où sont mes copains, mais je ne veux pas les dénoncer. Milo, lorsque les choses deviennent graves, il faut parler et dire ce que l'on sait. C'est très important. Ils sont dans le KGB. Thomas? Vincent? Vous m'entendez? Oui, maîtresse. Éloignez-vous de la porte. Oui, maîtresse. Allez, sortez. Et vous pouvez dire merci à Milo. Sans lui, vous seriez resté enfermé un bon moment. Merci, Milo. Bien, allez. Tout le monde en classe. Milo, attends. Tiens, et tu verras, en plus, elle est très bonne. Merci, Vincent. Je la regarderai clignoter chez moi ce soir.